The mass casualty management training, it's one of the first courses of the academy. This course focuses on what happens in the first half an hour to 1 hour after a mass casualty is declared in the emergency unit. L'afflux massif de victimes est en France quelque chose que nous connaissons assez peu. C'est donc un sujet pour lequel on va dire notre plan blanc méritait d'être affiné. For French hospitals, this fits perfectly. Tu fais ton plan déjà? Là, on vient d'alerter tout le monde. Donc, si lui est au courant, ça veut dire que la radio est au courant, les chirurgiens sont au courant, les anesthésistes sont au courant, la sécurité est au courant. Ah oui. Ce sont des gens d'expérience qui sont venus. Pouvoir partager cette expérience, c'était quelque chose d'extrêmement important. Il y a des directeurs, des médecins, des cadres supérieurs de santé, et ils arrivent à faire le changement, à intégrer ces données pour l'adapter au système français. Et c'est à nous de bousculer un petit peu nos organisations, même si on ne peut pas bouger ou tout casser et tout refaire. On pousse plus loin notre réflexion sur la gestion d'un afflux massif de victimes. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment cet aspect très interactif, où on se rend compte sur plan s'il y a un afflux massif de victimes, qu'est-ce qu'on fait et nos moyens, est-ce qu'on est prêt à faire face. In the end, they identify their own problems and they solve their own problems. Et on voit bien aussi nos limites. Et c'est toujours très intéressant de savoir ses limites de façon à organiser ensuite effectivement une meilleure répartition régionale des patients. On va faire quelque chose. First of all, this training brings a common language and a common understanding of the problems and I would say a coherent solution. Cette formation peut apporter aux équipes hospitalières un savoir-faire en efficacité notamment pour ne pas perdre trop de temps à réfléchir mais à agir et surtout à agir précocement. It makes life easier and ultimately we will be saving lives. Non, j'avais mis dans mon nom.